Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer ensemble? Comment s'est passée la rencontre? L'envie vient de Christophe, je dois avouer, parce que Christophe m'a téléphoné il y a 6 ans, c'est vrai, pour enregistrer avec Astoriac, son quintette de Piazzolla. Il m'a téléphoné pour me demander, je fais un arrangement de l'histoire du tango, j'aimerais bien l'enregistrer avec toi, puisque tu as fait la première, que ça a été dédié, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Et alors je lui ai dit, Christophe, ça fait 35 ans que j'ai envie d'avoir un duo avec un accordéoniste. C'est vrai. C'est un peu une forme de chantage. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'était une forme de chantage. J'ai d'accord d'enregistrer avec ton quintette, mais à une condition qu'on forme un duo. Et suite à ça, on a commencé à jouer à deux. Question réciproque à Christophe. Qu'est-ce que Christophe apprécie dans la musique de Marc? Certains disent, notamment dans le Piazzolla, c'est peut-être pas valable pour les autres pièces, qu'il a un son particulier avec sa flûte qui fait que le son s'allonge et que ça correspond très bien à Piazzolla, ou bien tout autre élément par rapport à l'amour de la musique de Marc. Alors, je ne connaissais pas très bien la flûte avant de connaître Marc. Mais j'ai beaucoup de chance parce que je connais maintenant un très très grand flûtiste. Que dire de Marc? Mais c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est surtout l'humain qui me séduit. Et moi, je trouve que c'est absolument indissociable avec la manière de faire de la musique. Et donc, quand je vois l'humain, je ne peux qu'apprécier le flûtiste et quand qui on est en lui. Oui, et à travers la musique. Je renvoie l'ascenseur à Christophe. À travers la musique, quand on joue avec quelqu'un, après une demi-heure, on connaît la personne, à la limite, mieux que son ami le plus proche. Comment est-ce que vous avez retrouvé l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, des musiciens dont certains d'entre eux, voire tous, vous les connaissez depuis très longtemps, plus que quelques mois, depuis très longtemps. Très longtemps. Comment s'est passé le contact, le travail? Merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez? Merveilleux. Premièrement, le niveau extraordinaire. Deuxièmement, la disponibilité. Et moi, j'adore jouer sans chef d'orchestre. C'est comme de la musique de chambre, et donc Jean-François est the person in the right place pour ça. Le contact est direct, il n'y a pas un intermédiaire qui dirige, donc la musique bouge encore beaucoup plus. Et Franck Bralé est d'ailleurs très intelligent à ce niveau-là, parce que de temps en temps, il dit « faites comme ça », etc. Il a cette intelligence aussi. De quitter la place de chef d'orchestre pour aller dans la salle. Ouais. Et Christophe, tu avais revu l'orchestre, puisque tu avais joué avec eux ou en musique de chambre il y a quelques années, et là tu les retrouves en orchestre. Alors, oui, je les connais vraiment tous,
Mais je voudrais surtout te remercier. Merci. Longue vie à l'orchestre de chambre, mais longue vie aussi à Laurent Fac, qui dirige ça vraiment de main de maître. Un grand merci. Et qui s'est investi, tu t'investis à 100%. Voilà. Ça, c'est une chose qu'on sent. Pour votre musique. Ouais. Et on te remercie aussi pour le resto qui va nous offrir. Un petit